Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Bon, attends. Je vais prendre ta place, je crois que ce sera quand même plus crédible. Allez, merci ma chérie. Bien. Nous voilà donc réunis aujourd'hui pour faire un petit bilan de nos premiers semis. Semis qui ont donc été réalisés il y a environ 3 semaines. C'était vraiment très très tôt. J'en ai convenu volontiers. J'ai été renforcé dans cette idée ensuite par quelques commentaires. Ça a modérément fonctionné, on va dire, hein. Bon, le résultat est là devant vous. J'avais semé 50 mini-mottes. Bon, il y a des choses pour lesquelles j'ai eu absolument aucun résultat. Les soucis, ça a pas mal marché. Les betteraves, notamment les betteraves cylindras, ça a plutôt bien fonctionné. Les laitues, reines de mai, puis des laitues aussi que j'ai eu à mon copain Sébastien, des laitues qui ne montent pas, dont je n'ai pas la variété, ça a fonctionné à peu près aussi. Les courgettes, alors dans les mini-mottes, je trouvais que les graines c'était énorme, et puis finalement voilà, il y en a 3 sur 5 qui se sont développées, pas mal. Les semis en bouteille en revanche, bon, poivrons 0, tomates cerises 0, tomates précoces centiam, donc qui viennent de chez Cocopelli, ça fonctionne plutôt bien. Mais je m'aperçois quand même que, d'une part, dans les commentaires également, on m'avait expliqué que j'avais mis sans doute un peu trop de terreau, et comme il va falloir remonter le long des tiges avec du terreau de manière à ce que de nouvelles racines apparaissent, eh bien effectivement, je pense que j'étais sur le niveau initial de ce terreau dans les bouteilles monté un peu trop haut. Je pense que je vais favoriser à l'avenir quand même les prochains semis de tomates en mini-mottes, ce sera quand même mieux. Et d'autre part, voilà, je m'attends finalement à des manipulations peut-être plus complexes qu'avec ce système-là de mini-mottes qui est finalement assez aisé à rempoter, hein. On va regarder ensemble un petit peu le pourcentage de réussite et d'échec de ces différents semis. Et je vais remettre en route très rapidement là, eh bien les autres variétés également en culture, aubergines, etc. Je vais retenter le poivron. Bon, je vais retenter un certain nombre de choses. Avec 3 semaines de délai, ça devrait fonctionner peut-être un peu mieux. Moins filé, sans doute également. Je pense que les jours rallongent sensiblement là maintenant. Donc ça devrait vraiment aider un petit peu ces plants à se développer. J'ai vraiment eu l'impression que les journées courtes, hein, donc avec peu de lumière la journée, ça c'était vraiment le facteur limitant sur le développement correct de ces semis après la levée, hein. C'est-à-dire que je pense que la levée, elle dépend d'autres conditions. La levée proprement dite, la germination de ces graines en quelque sorte, dépend d'autres facteurs, l'humidité, du terreau, etc., la chaleur ambiante, bien évidemment. Et ensuite, c'est quand même une affaire de lumière à mon sens, et voilà, je crois qu'à moins d'avoir des lampes qui apportent la lumière nécessaire sur le dessus, les plants filent, hein, surtout lorsqu'ils sont semés très tôt. Donc sur ce point, je pense que ça ira nettement mieux. Allez, je vous dis à très bientôt au potager qui dit non. Ciao, ciao. Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour.